Pressé par Kennedy. Kennedy en perd son bâton. Vigneault qui rejette en territoire adverse. C'est Côté qui relance. Longue remise pour Kennedy sur le nombre de Sionique. Kennedy son tir dans la mitaine. C'est bien fait pour Cormier. En entrée de territoire, Cormier attire des joueurs. Tente de remettre devant pour Golionov. Récupère au rebond contre la rampe. Laisse derrière dans le coin. C'est pour Larose. Larose tente de se frayer en chemin vers le filet. Remise devant. Voilà le but. Tommy Cormier. C'est premier devant 1-0. Bon, c'était bien fait alors qu'à l'embouchure du filet, Larose a tenté un tir, mais finalement se ravise. Il va d'une belle passe transversale de l'autre côté à l'embouchure du filet, en fait, à Tommy Cormier qui s'amenait en maraude. Et sur ce tir, c'était pas le premier tir officiellement, là, parce qu'il y avait eu le dégagement, je crois, tout à l'heure. Sur qui le était gardien. Sur le gardien. Mais la rondelle est apparue sur la palette de Cormier à l'embouchure du filet. Et les Tigres marquent le premier but. Ils prenaient devant 1-1. En fait, c'est un tir tenté de Larose. Ouais. Kingsley passe au centre pour Blouin. Mauvaise réception, mais Blouin réussit à reprendre contrôle momentanément jusqu'à l'intervention de Saint-Denis. Et c'est Denis qui s'amène en attaque par Sabellan. Le tir, belle arrêt de mettre en utilisant la rampe à la pointe. Mais c'est Prichépov qui récupère. Voilà Pellerin qui s'amène sur le flanc gauche. Pellerin tente de déborder la défensive. Coupe devant le gardien. Tir, belle arrêt de Filion. Il ferme la petite dispute là, derrière le filet. Là, bon, pendant ce temps-là, Jandon qui va d'un beau jeu. La rondelle est libre. Dans l'enclave, Prichépov remet Pellerin. Il est seul. Sorti. Bel arrêt de Pignon. Et la rondelle qui est emprisonnée par la suite. Là, je m'excuse. sur les écrans présentement, on faut remercie. Oui, on remercie Joël Perrault. S'il y en a qui pour qui ça. Tente une remise à la pointe pour Kingsley. Belle récupération. Tente un tir vers le filet. C'est Prichépov qui l'a arrêté. Remet devant le filet pour Gendron. Gendron remise devant. Et qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? Quel arrêt de Filion, un petit bijou à la ligne. On va voir le jeu. Gendron a été généreux. Et qu'est-ce que Pellerin? On va revoir ici la reprise. Là. Ah, Pellerin a raté une chance en or. Énergie. Ils vont même du repli défensif. Et Pascal, je ne me souviens pas beaucoup d'avoir vu dans le junior deux joueurs russes jouer en désavantage numérique. Non, c'est le même duo en plus. Ouais. Attention dans l'enclave, le tir, voilà le but. Le Sénic qui crée l'égalité. C'est Gauguin qui va d'un tir précis. Et la marque est maintenant de 1-1. Cette deuxième pénalité au Tigre leur fait mal. Malgré un excellent match des Tigres, ils voient l'Océanique créer l'égalité. On a hérité d'une rondelle du côté de Gauguin, là, entre les deux cercles de mise en jeu. Il avait un angle de tir parfait. Il surprend Gabriel Daigle du côté de la mitaine. Un tir précis. Et on est de retour à la case départ. Ouais, c'est 1-1. Un nouveau match. Ouais. On a beau parler de domination en cette première période là, chez les Tigres. C'est quand même 1-1 la marque. Et ça, on ne peut pas vouloir apprécier bon, pas, mais on en a parlé. Poindre Larose. Larose qui est coincée par Aguilar. Il y a une double chute. Ça permet au Tigre de reprendre le possible surnom. Voilà Pellerin qui remet devant. Le Pellerin est accroché. Il y aura pénalité. Comme il attaque, se poursuit devant le tir. Voilà le deux. Maxime Pellerin sur un retour de lancer. Les Tigres prennent les devants par un. C'est 2-1. Ce qu'on devait faire ce côté des Tigres, répliquer immédiatement. Il y avait une pénalité d'appeler à l'Océanique, mais Pellerin a poursuivi sa route vers le gardien. Belle présence d'esprit de Cormier dirigeant un tir que Pellerin peut faire dévier. Filion donne le retour directement sur la palette du capitaine des Tigres qui loge la rondelle dans la partie supérieure et les Tigres prennent les devants 2-1. Ouais, Pellerin, ça c'est un deuxième effort là. J'ai aimé ça parce que il aurait pu abandonner, amener là. Dans le coin par Coughlin. Beau jeu du défenseur de l'Océanique. Ouais, il est très bon, Coughlin. On est entré de territoire. Spinard, transversal pour Truchon. Tente de remettre devant. C'est pour Spinard. Voilà le but. Et là, est-ce qu'il est allé sur Gorionov? Gorionov qui a mis en échec au même moment Spinard. Et c'est maintenant 2-2. Erreur de couverture sur la contre-attaque. On s'est fait prendre avec les deux attaquants là, profondément en territoire offensif chez les Tigres lorsque Coughlin a joué, a fait ce beau jeu. Et sur l'entrée de territoire en surnombre, il y a eu une passe transversale. Et deux joueurs des Tigres, entre autres, sont allés sur le porteur du disque à la gauche. Là. Ouais. Ça a créé une ouverture. Deux joueurs des Tigres à tirer. Un joueur un peu en retard. Et ça a raté. Aguil est pressé par Pellerin, obligé de quitter le territoire des Tigres. La main vers le centre pour Saint-Denis. Et Fleur la rondelle pour Bellin. Laisse derrière pour Blais. C'est bien fait. Blais. Et sur le côté, voilà le but. Bel échange à 3. L'Océanique prend les devants. 3-2.
Tout se passait bien pour les Tigres. Et là, moment de flottement en deuxième période. Et on fait preuve de beaucoup d'opportunisme chez l'Océanique qui profite d'un revirement à l'entrée du territoire pour s'amener. Encore une fois, j'ai pas aimé la façon dont on a reculé là, rapidement chez les Tigres. Et Saint-Denis vient battre Daigle dans son déplacement. Fait dévier au profit de Kennedy. Kennedy en sortie de territoire. Rattrapé par Blouin. Kennedy revient sur ses pas. Bousculé par Lavigne maintenant. Attention, c'est libre dans l'enclave. Simon, ça va sortir. Voilà le deux! Il y a Simon! Et c'est 3-3! On a mis de la pression chez les Tigres. On a cafouillé chez l'Océanique. Et on... Simon en demandait pas tant. Il hérite d'une rondelle directement dans l'enclave. Il loge celle-ci dans le haut du filet. Bas, Vincent Filion, les Tigres stoppent l'hémorragie. Il crée l'égalité rapidement. C'est une deuxième période bizarre, là. Et ça, c'est un beau jeu de la ville. Là, qui a mis de la pression sur Kennedy. Il est venu le mettre en échec. Et Simard en profite pour créer l'égalité. Un bon lancé. Pourquoi s'avance? Quoi? Tente de remettre devant le filet. Ça touche un partage. Pellerin qui frappe cette rondelle bondissante. Richepov du coin, belle passe à Péoroy. Péoroy tire, dévié par Pellerin. Pellerin passe à Pellerin dans l'aile. Pellerin pour sa rondelle plus loin. Là, ça a touché le jeu. Attention, mauvaise passe de Richepov ici. L'Océanique, attention, Bella. Ça va sortir. Pellerin de Daigle. Gorionov est à la mise en jeu maintenant devant Saint-Denis. C'est remporté par les Tigres. Voilà Vigneault. Vigneault qui remet à Gendron. Gendron s'amène dans l'aile. Son lancé, voilà le deux! Justin Gendron, un tir précis. Les Tigres prennent les devants, c'est 4-3. Un tir de pro sur un jeu préparé à la mise en jeu, Pascal. Oui, on venait juste d'en parler. Ouais, par le positionnement, là, on avait amené à l'aile Kingsley, Gendron au point d'appui. On a gagné la mise en jeu, on a pu faire le jeu qu'on voulait. Ça a ouvert une brèche à Justin Gendron qui loge la rondelle dans la partie supérieure. Et les Tigres reprennent les devants, c'est 4-3. Avec 4-49, tout à l'heure. Ouais, c'est un vrai de vrai. Moi, je vais te dire, ben, honnêtement, Mathieu, j'ai jamais vu cette rondelle rentrer. Là. On confirme que le but. Simon fait tout un boulot sur cette séquence. Finalement, rejoint Gauguin. Gauguin qui applique les freins. Mise en échec par Lavigne. Attention, Odette qui est perdu. C'est Kennedy qui remet derrière. Tire le Cochrane, il voit le but. Et c'est 4-4. Un but qui vient faire mal avec 39 secondes à écouler. On faisait du bon boulot en désavantage numérique du côté des Tigres et on a bougé la rondelle rapidement chez l'Océanique qui ont profité vraiment de chacune de leurs occasions au cours de cette période. En marque un quatrième. Lavigne était venu mettre en échec Gauguin, mais par la suite, il y avait un autre joueur qui était tout près, c'est Blais, je crois. Ah, la rondelle est ressortie sur... côté de Gauguin qui ça mène chez l'adversaire. Il a fait la rondelle à Cormier. Cormier pivote, perd le contrôle. Attention, revirement. 2-1. L'Océanique avec Pilote qui s'amène sur l'aile droite. Pilote, patient, son lancé. Bel arrêt, le retour. Et qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? Au niveau des tirs au but, là. Il mène 6-1 en troisième période. Et là, la porte s'ouvre. Grande pour les Tigres. Et on est 1-1 en avantage numérique chez les Tigres. Je pense qu'on sait. Et l'autre, c'est Pilote. Donc, passe vers le centre pour Golionov. Ça mène en contre-courant. Tente une passe, mais c'était derrière Gendron. Là, en fait, un jeu complètement raté. Caulfield, attention, la passe est interceptée par Richepov. À Cormier. On apporte des changements chez l'Océanique. Cormier pour sa rondelle pour lui-même. Devant. Passe à Golionov. Il est seul. Golionov, son tir. Bel arrêt de Filion. Oh, il était complètement seul. Kennedy. Tanflin et Blais sont là pour l'Océanique. Les enjeux remportés par les Tigres. Vigneault. Regardez la rondelle, c'est Larose qui vient l'aider. Remis en contre-courant pour Prichepov. On est à 2-1. Prichepov coupe devant le but. Il échappe la rondelle. C'est un 2-1. Et pendant ce temps-là, contre-attaque. À 2 contre le gardien. Kennedy, ça va en sortir. Voilà le but. Ben, les Tigres ont eu leur chance. Ouais, mais on n'a pas capitalisé. Il va en avoir des matchs comme ça, Mathieu, où tu domines l'adversaire. Tu mérites meilleur sort, mais il me semble que ça arrive souvent. On venait de rater une chance en or par l'entremise de Gorionov et devant le filet, Prichepov qui échappe tout simplement à la rondelle. On contre-attaque chez l'Océanique rapidement.
à presque 2 contre 0 et Kennedy loge la rondelle entre les jambières de Gabriel Daigle.